Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Exa, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on se retrouve sur Pokémon Revolution Online pour l'épisode numéro 15. Et aujourd'hui, on va faire l'arène, ma petite gueule. Donc voilà, donc j'ai pris un petit peu de retard, vite fait. Ça fait une semaine qu'il n'y a pas d'épisode qui est sorti, donc je suis désolé. C'est juste parce que ben, j'ai pris le temps un petit peu de faire XP mes Poké, surtout de faire monter Pidgeotto. Je l'ai fait évoluer, je lui ai fait apprendre Wing Attack. Et j'ai chopé également donc un Vulpix qu'on va faire évoluer tout de suite, bien évidemment. Oh là 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 là. Le Fenard, les amis. Ça va être beau, ça va être beau. Moi je dis pouce vert pour le petit fenard quand même. Ça fait quand même plaisir. Allez, hop, on récupère le petit fenard, voilà, qui est plutôt pas mal. Je me suis pas allé soigner. Très grave erreur, voilà. Hein, je voulais directement rentrer dans l'arène, que ça fasse, tu vois, stylé, ça. Mais du coup, tant pis, hein, voilà, on préfère quand même jouer la sécurité. On va aller se soigner. Parce que ouais c'est quelques HP mais voilà tout de même hein, tout de même donc voilà donc ouais Fener je le trouve totalement ridicule par contre quand il nous suit voilà ouais, je trouve qu'il fait un peu missile mais bon c'est pas bien grave hop allez on soigne vite fait ouais donc aussi j'ai monté un peu Nidoking il level 33 mais ouais il est pas assez enfin il fait pas voilà non il est nul voilà tout simplement également ouais j'ai des quelques CT je vais pas regarder vite fait qu'est-ce qui pourrait être utile genre ça c'est quoi Audrey Psychoc je sais pas qui peut apprendre Psychoc toi. Elle peut apprendre Psychoc. Bah ça tombe bien, ça sert à rien parce qu'il a extra ascenseur, mais d'accord. Non, elle n'apprend pas, merci. Ok. Très bien, bon, ça m'étonnerait que genre Florizarre puisse l'apprendre, non? Ouais, non, ouais, bon, ok, non. Ok, donc voilà, donc ouais, j'ai plus de thunes, hein. J'ai acheté également une Thunder machin parce que. Enfin une Thunderstone. Parce que je compte avoir Voltaï. Voilà, bon, je sais pas trop Voltaï parce que je trouve pas de type électrique et type électrique pour moi c'est quand même assez essentiel dans un jeu Pokémon, n'est-ce pas? Donc voilà les amis, on va rentrer dans l'arène. Donc j'ai déjà fait bah, tous les sbires, donc comme vous l'avez vu, on en avait fait un petit peu la dernière fois. Hop, on casse ça et on va commencer, je pense, directement avec Fenard. Ouais, allez. Je pense que ça se fait, ça se fait. Allez, Erika. Alors oui, voilà, j'ai préféré les monter un petit peu parce que d'après les ressentis, les retours que j'ai eu, voilà, hein, de maths qui a quand même un petit peu, peut-être pas galéré, mais ouais, c'est vrai que l'arène n'est pas super simple quand on n'a pas de type feu, voilà, pour arracher complètement avec un coup critique. Là, on a eu un peu de luck. Ça va, bon, en pifleur, c'est fait, très bien. De toute façon, on va tellement la rush l'arène, mon tigre. Donc il y a Florizarre, très bien. Ah oui, d'accord, donc niveau level, ça monte. Ça monte. J'espère qu'il n'a pas trop fait XP. D'accord, en fait, je crois que je l'ai un petit. Ah, bah, deuxième coup critique, hein, voilà, écoutez, hein, pour une fois que ça arrive, hein, bien évidemment. Et le Raphizéa qui était le plus chiant. Est-ce qu'on one-shot? Allez, un petit coup critique, ça serait beau, là. Non, bon, écoutez, bon, on la burn. Écoutez, hein, full axe, bien évidemment. Une toxique, on s'en fout un peu. Bah au final, on l'aurait fait. Ouais, j'aurais su. En fait, limite, les sbires étaient plus durs. Hein. Non, vraiment, c'est vraiment la montée. La différence entre Goupix et Venard, parce que ouais, les Goupix, tu vois, avant, il y avait les petits sbires mystères, tout ça. Il paniquait un peu, voilà. Donc au final, l'arène est faite, voilà, c'est parfait. Le mec, il s'en fout complet, quoi. Donc du coup, on va aller faire la tour Pokémon maintenant. Voilà, on va aller faire un tour Pokémon. Bon, j'ai un petit peu tryhard, voilà. Pour cette arène, au final, ça va. On a un beau Fenard. Bonjour. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Donc, aussi, ouais, j'ai. Allez, oh putain, on est obligé de parler. C'est encore toi. Meilleur et meilleur. On va voir ça. Ok, on a un budget de chou. Très bien. Level 39. On va lui faire un petit flame. Ah oui! Ah oui, gros balai Covid, très bien. Et pour les. Ah oui, d'accord, oui, d'accord. Bon, on en est là, je m'en rappelle enfin. Ouais, bah ouais, en fait, non, on est mort. On est mort, en fait, c'est quelque chose de prévu dans le scénario. Hein, le Pikachu level 100, bien évidemment. Ce que Matt me parlait. Bon, on va faire Aquatail, hein. De toute façon, on peut pas le tuer, je pense. Oh, Mega Volt! Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Bon, on surène nous, c'est le mec.
Non mais ouais, là c'est mort. On va juste rigoler. Ah rigoler, voilà, on va rigoler, on aime bien rigoler. On va voir un petit peu les dégâts qu'on lui fait. J'ai Quick Attack normalement. Ouais voilà, on va juste voir hein, les dégâts. Moi je parie sur un PV. Parfait, donc voilà, le Pikachu level 100, ça fait quand même plaisir. Non mais voilà, c'est prévu dans le scénario, c'est prévu dans le scénario. Voilà, Red qui a un petit peu la haine, bien évidemment, qu'on ait battu cette arène. Plutôt haut la main, bien évidemment. Bah du coup, il rage, voilà, on peut le dire. On peut le dire, Iron Tail, voilà, il m'humilie, hein, bien évidemment, il arrache le Florizarre avec Dragon Tail. Oh, ça veut rien dire, mon dieu, ça veut rien dire. Bon, au final, donc, j'aurais monté Pidgeotto pour rien. Mais au final, Pidgeotto, c'est un bon Poké, parce que j'ai vu après. J'ai vu pour après, il apprend des trucs qui ont l'air pas trop dégueux. Ouais, il a pris Coupe-Croix lui aussi. Ouais, c'est surtout pour. Putain, ça devient relou quoi. Pour. Comment ça s'appelle? Pour l'arène. Enfin, la Ligue des 4. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Et ben, en fait. Et ben, il y a un dresseur voilà, de type combat. Alto, je crois. Moi, je crois que ça doit être ça. Et voilà, il me faudra un type vol. Voilà, bon, ça c'était prévu. Hop. On. Ouais, il nous a pas trop retiré d'argent. Enfin, peut-être pas du tout. En fait, j'ai pas regardé. Hop. Voilà. Du coup, on est enfin en possession de notre badge. Et donc, de faire évoluer les petits Pokémon. Donc, on fera sûrement évoluer Hunter. Hunter qui a des bons, une bonne stat ou pas? Puis, on en chopera un autre. On verra bien, voilà. Donc ouais, vraiment, assez content du Chenard. Bon, il est un peu DE, hein, comme je l'ai dit au début, voilà, quand il le suit. Mais bon, écoutez, hein, voilà, on peut pas tout avoir. Très bien, très bien. Donc, hop, on va descendre, on va aller au petit centre, au centre aéré, j'allais dire, mais n'importe quoi. N'importe quoi, mais qu'est-ce qu'il dit? Bon, normalement, vous verrez peut-être pas cette vidéo le jour, vous verrez cette vidéo le 3, normalement, le 3-0-3, voilà, écoutez. Donc là, on a le billon de... Ah non, non, c'est pas là, donc là on peut pas passer, toujours parfait. Parfait. Allez. Ouais, également, merci à celui qui m'a laissé un petit commentaire la dernière fois. En fait, je savais pas que je pouvais cliquer sur l'espace au lieu du clic de la souris, donc je vais essayer de le faire. Mais ouais, j'ai peur d'avoir pris une habitude, entre guillemets. Voilà. Donc ouais, aussi on utilise un peu moins Venusaur. Si on pouvait changer les sexes, mettre Florizarre mâle et Fenner femelle, ça m'arrangerait. Hein, voilà, tout simplement. Tout simplement, on peut le dire, je pense que ça nous arrangerait. Ouais, sur Gyarados également, je lui ai mis des lunettes chelou, là, vous savez, pour que Morsure fasse des dégâts totalement énormes. Voilà. Et puis ouais, Dragon Rage qui fait environ des dégâts négatifs. Donc là, ouais, là j'ai totalement farm mon pote. Assez vénère hein. Ici bien évidemment, voilà, il n'y a plus aucun dresseur, tout le monde baisse les yeux face à moi. Et j'ai cru que j'avais jamais trouvé un Vulpix hein, d'ailleurs, hein. Voilà, soit dit en passant, je tenais à le dire hein. Voilà, hop, du coup on retourne ici, on va aller dans la tour Pokémon mode. Ah, ils ont, ah oui c'est vrai, ils ont rajouté des petits arbres. Bon, ce qu'on le linéon, il nous aide toujours pas, donc très RT hein. Ouais, voilà. Il refuse. Nyaan Mongol. Regardez, ils mettent tellement pas quoi. Genre je perds du coup. Non, on essaye pas avec un autre. Ouais, par rapport à genre Colossinge et tout là qui m'aime bien. Bah. Donc voilà. Ah oui, pour la petite histoire pour Fenard, en fait, si vous voulez, j'avais un Goupix dans ma team. J'arrache un Tétars là, je sais pas quoi. Avec je crois Pidgeotto. Sauf qu'en fait j'avais pas tué, il avait un HP et Goupix il avait Vive Attack. J'espère que je l'ai gardé au fait. Ouais, je l'ai gardé donc Quick Attack. Et j'ai vu un petit coup de Quick Attack alors qu'il avait un HP, il est passé de level 12 à 28 je crois. C'était assez vénère. Allez hop, on va rentrer dans cette petite dans ça. Ok, toi tu veux quoi? D'accord. Il a perdu son Rattata, ben Miskine. Ben Miskine. Qu'est-ce qu'on fait si on essaye de faire up ici? J'ai bien envie de faire. Je sais pas quelle arène c'est après. On check ou pas? On demande sur Skype. On va demander. C'est quoi l'arène après la plante? Voilà, toujours bien, bien préparé, bien évidemment. Ça fait quand même plaisir hein, je pense qu'on peut le dire. Voilà, donc hop, on va monter. Ah d'accord, non, ça c'est un mec normal. What the fuck, c'est quoi ces petites vieilles là? Ah, c'est des vrais
D'accord. Bon, déjà, elle nous affronte pas. Glisse, véloz. Ok, bon, des spinach. Ok, donc on peut avoir des osselets. Peut-être pas mal, un osselet. Moi, je dis pas non. Je dis pas non, ça pourrait être cool. Hop, je crois qu'on m'a répondu, mais apparemment non. Ce n'est que Roquessas Frost. Hop, attendez. Ah, je te fais bugger. Voilà, c'est bon. Hop, alors, est-ce que toi, tu veux bien dégager? Tu veux pas? Parfait. Ah, il y a une grande bulle. Ah non, si, elle nous d'accord. Elle nous nique notre race. Très bien. Désolé, je suis un peu malade également. Allez, go, on va arracher ça. Poison, on me dit. Ok. Hop. Ok, mon petit arène poison après, du coup. Ouais, on va se la faire avec un peu extrasenseur. Alors, ouais, c'est une arène poison, mais c'est un peu chelou parce qu'il y a des types psy. Du type. Ouais, voilà. Ouais, c'est ce qu'il me dit. Genre, en gros, ils sont tous psy. Pratiquement, avec donc poison. Mais ouais, il y a pas mal de psy, mais ça va, genre, c'est Alakazam et tout comme ça. Donc, je pense qu'avec Fena, on peut bien up. Genre, avec lance-flamme, combo, on va dire lance-flamme, extra-ascenseur et feinte attaque, il va peut-être apprendre Dark Pulse aussi, je sais pas. Je sais pas s'il apprend extra ascenseur, hein, bien il a un 80 de puissance Shadow Snake qui fait miskin, hein, comme des gars. Ok. Bon, on va essayer d'aller plus ou moins vite, faire cette tour. Donc du coup, je vais pas acheter de repos, c'est pas bien grave. S'ils nous affrontent tous, ouais, d'accord. Ils auraient peut-être pu changer la musique de combat quand même dans la tour. Mais bon. Ah, il y a un oursaring, sympa. Sympa, un petit oursaring. Un abra. Ouais, regardez, petit abra. Miskin. Voilà. Level 25, hein. Je me sens un peu mal pour eux, hein. Genre là, tu sens que c'est un peu. C'est un peu la S, hein. C'est un peu le S, hein. Voilà. Level 40, bien évidemment, pour les fenards. On va essayer de tous les mettre level 40, tiens. Plus ou moins, on va faire monter un petit peu. Bon, peut-être pas Vénusant, on le fera monter après parce qu'il va faire. Ouais, non, il va rien faire vu que c'est poison principalement. On va mettre le petit Gyarados en premier. D'accord, parfait. Alors, est-ce que j'ai des repousses? Non, mais genre, moi, manque. Hop, est-ce qu'on a les petits repousses, vous pensez? Les petits repousses là, non? Parfait, ben non. Ok, c'est pas bien grave, du coup, on va devoir tous les taper, c'est con. Non, t'es sérieuse? Ah, je vais devoir faire tout le tour. Ah là, je suis au bout de ma vie là. Allez, ah, je suis pas allé voir le truc au milieu aussi. Ghastly. On va s'empêcher d'arracher tout de suite. Voilà. Ok. J'aurais bien aimé lui voler son petit Ghastly. Comme ça, il aurait pu évoluer après. Voilà, écoutez. Hein. Hop. Hunter. Pas mal, la petite Hunter. Pas mal. On lui fait bite et je crois que ça va être un one shot. Voilà, lui, la victoire facile. Et Gengar, d'accord. Alors elle a rien respecté. 24-25-25, très bien. Genre limite le Fantominus aurait pu être un Hunter qui lui-même aurait pu être un Ectoplasme. Aucun respect. Oh, l'XP par contre c'est pas mal. L'XP, les petits 11 000, c'est pas mal. Hop, c'est pas dégueu. Du coup, comment passer? Passer par là. Ah, il y a eu un tignon. Ah oui, merde, c'est vrai que j'ai obligé. Ah oui, mais on s'en fout en fait du type combat vu qu'on a notre colossinge que je compte, ouais, d'ailleurs garder jusqu'à la fin. Quelques-uns qui m'ont demandé si je comptais garder, on va dire, cette team. Plus ou moins. Voilà, on a un type feu, on a récupéré un type feu. Les volis, je vous dis, à moins que je trouve vraiment un type électrique qui me plaît et qui est plutôt pas mal. Sinon, ouais, Voltali, c'est vraiment... C'est pas mal. Golbat. Très bien. Bah, écoutez, le petit Golbat, le petit Ice Fang. Voilà, écoutez, hein, voilà. Hop. It's super offensive. Hop. Et...
Ouais, il gagne quand même pas mal de level dans ce petit tour. Bon, pas contre les Ghastly et tout, genre Ghastly, ouais. En plus, c'est elle qui fait des dégâts, c'est le bordel. Mais ouais, ça, je dois gagner genre 3000, 4000, 5000, grand max. Ouais, voilà, 5000, donc ça va. Bon, on va faire monter un petit peu le Pidgeotto. Je vais vous faire voir un petit peu. Bah, de toute façon, là, maintenant, ils font plus ou moins tous des dégâts. Pourquoi il y a des crânes qui sont pas allumés? Ça sert à rien, d'accord. Tu mets, toi, ou tu... D'accord, il s'en branle. Parfait. Nurse Joy. Ok, donc on peut... Ah d'accord. Très bien, je l'avais pas vu. En vrai, c'est... Ouais, voilà, ça nous fait un petit peu XP. C'est pas mal de quoi bien nous XP. C'est vrai qu'en ce moment, j'avais pas trop le temps de le faire XP. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu un épisode, quoi. Assez rapidement. Parce que en fait, au final, je pensais vraiment que la... Ah, j'allais pas mal galérer, mais au final, je pense que même sans Fenard, parce que Pidgeotto qui est quand même assez puissant, voilà, je veux pas critiquer des dégâts. Ah bon? Ah bah, ah, je suis déçu. Quick attack, non, pas du tout. Non, mais Pidgeotto là, je suis déçu, très bien, je retiens. Hop, non, Pidgeotto hein, qui est bien évidemment physique, ah oui, c'est plus physique que ce play, j'aurais pas cru. En pensant comme ça. Bon, après c'est un putain d'oiseau quoi. Genre il saute sur les mecs qui s'en branlent. Hop, la petite Nurse Joy. Yes please. Elle veut pas me dire de faire un petit combat par contre. Ouais, non, c'est bon. Parfait, on se casse. Parfait, on peut pas. Il y a un ratata. Le ratata de Didi. Et il reste du coup un spécial qu'on n'a pas encore vu. Bon, on va même pas l'affronter. Je croyais qu'il avait pas réussi à fuir. Je vais faire, mais quel sac à merde. Ah, le petit vieux là. On va l'affronter. Hop. Alors, Alakazam. Bah, c'est du viol. Hein, voilà. De type plutôt rapide. Voilà, avec une défense vraiment très très grande. Je suis déçu, hein. Franchement, Pidgeotto là. Je suis déçu, hein. T'as quand même 10 levels de plus. Après, bon, voilà, je vais pas critiquer. Mais bon. Voilà, t'aurais pu faire mieux. Hypno. Bon, ça va être un peu plus casse-couille. Bon, après, c'est qu'une attaque à 60. C'est pas non plus la folie. Avec un coup critique, voilà, tout s'en va. Le temps va et tout s'en va. On va finir avec un petit wing attack parce que je sais même pas si quick attack ça le tue. Hypno fail. Voilà. Level 39 au Pidgeotto. You have won this battle. Ok, bah parfait. Parfait. Merde, putain, du coup, je suis obligé. Oh, bah, là 39, limite on pourra ouais même faire XP un peu. Venusaur ça va être long, je préfère le faire XP un peu en off parce qu'il a. Enfin, dans ce tour il peut pas faire. Qu'est-ce qu'il fout là lui? Il y a le professeur Chen au Kamzer. Voilà, j'avais décidé de faire un petit accent de Caris. Plutôt pas mal, mais d'où tu spawns toi? Et la meuf, personne lui a rien demandé. Mais elle spawn, genre missile moi, je sais pas. Je sais pas. Wing attack, c'est parti. C'est pas mal, voilà, c'est pas mal. 7000, c'est pas mal. Il faut combien pour monter encore? 20000. Il est un peu coûteux, voilà, je vais pas critiquer. Hein. Ah, il a quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte ce con? Bon, je pense en moi au pire. Alors bon, les ratata. Bon, voilà, je suis gentil avec vous, je vous attaque pas, mais venez pas me casser les couilles. H24, quoi, please. Une Aptera Shiny. Peut-être pas en fait, je sais pas ce que c'est. Pourquoi on peut pas y aller? Ah, parfait. Bah c'est gênant. Ah bah c'est gênant. Ça va, il est pas trop mal. Est-ce qu'on a vraiment envie de le solote avec lui? Non, allez, on va laisser un petit peu Florizard XP parce que là il pourra bien XP ce con. Quel dommage, rip petit Pidgeotto. Du coup il m'aime un peu moins, voilà, bon RT hein. RT, hein. Hop, Venusaur, Petal Dance, on n'en parle plus, merci, bonsoir.
Merci, bonsoir. Voilà. D'accord, il n'est même pas mort. Parfait, il reviendra plus fort. Il va pas m'attaquer, oui, ça. Ok, bon, et ben voilà, plutôt pas mal. Alors, je sais pas c'est quoi le fun de garder un HP. Enfin, bon, bah tant pis, écoutez. Hein. Écoutez, voilà. Pff, ok, bon. Passe le 38 EZ. Hop. Bon, allez, tu me laisses passer, merci. Ok, parfait. En haut, il y a quoi? Spinac. 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 Allons, le crabe. Pour le crabe. Parfait. As fail. Aucun. Allez, allez, allez. On s'épêche. Il y a lui là. Non, mais please. Et il y a tous les mecs de la team rocket, quoi. Rat attack. Ah oh, non, mais par contre, s'ils ont. Oh, total level 33. Mais mec, respecte-toi. On va le cramer. On va le cramer. Voilà. Pour tous les rat attack qui nous ont fait chier jusqu'à là. Parfait, ça ne m'a pas tué. End of. Ah, déçu. Ah, déçu. Ah, déçu. Déçu. Voilà. Écoutez, hein. Pas un petit quick attack. Ah, j'ai cru que c'était lui qui avait fait. Genre. Yeah. Un rat attack. Au pire, est-ce qu'on perd? Oh, allez, on le perd. On le perd et on met masse dégâts, pas du tout. Il va faire. Il attaque avant. Ah, bah oui, mais super funk, c'est de la merde en fait. Enfin, t'es. Attends, est-ce qu'il le refait? Allez, super funk. Non, ça par contre, ça va. Bah non, bah du coup, il a toujours pas compris. Bon, écoutez, voilà, moi c'est Johnny. J'ai 25 ans. Il y a petit coup attaque qui passe tranquille, voilà. On a EZ, encore une fois, voilà. Après, bon, c'est pas pour critiquer, hein, bien évidemment. Mais voilà, plutôt une victoire facile. Du coup, on va se soigner. Vite def, vite def, vite def. Ouf, voilà, petite super potion, parfait. Allez, ça suffira. Est-ce qu'on fait monter plus? Allez, on refait monter un petit peu. Et puis voilà, on finira donc ce petit endroit la prochaine fois. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. On se retrouve pour le prochain épisode. Ciao!